Chers amis, bonjour. Le Stade Brestois, voilà une équipe de dur à cuire. Oui, au regard à la lecture des trois premiers résultats obtenus par la formation de Michel Derzakarian, qui va certainement nous donner du fil à retordre, parce qu'il faut tenir compte bien sûr du contexte et de la situation dans laquelle notre club s'est mis depuis le début, avec une victoire contre 3, d'accord, lorsque les Brestois, eux, perdaient leur première sortie à Lens. Sauf qu'ensuite, ça s'est un peu gâté, vous le savez, pour nous, alors que ça s'est singulièrement amélioré pour les Brestois, qui ont déjà tenu tête aux Marseillais et qui ont gagné à Angers. Donc ça ne va pas être simple du tout, dans la mesure où cette saison tout particulièrement, les équipes sont au taquet d'entrée. Nous l'avons payé d'un cher tribut face aux Auxerrois, et c'est la raison pour laquelle ce déplacement envisagé, supposé de longue date, devait être celui du tremplin ou de la confirmation en ce début de saison d'un calendrier qui nous paraissait favorable. Le problème, c'est que nous avons perdu contre les Bourguignons la semaine dernière, et dès lors, cette rencontre au stade de Francis Leblay sera certainement plus compliquée qu'il y paraît. Mais bon, de la capacité de réaction, de la capacité à se rebeller, dépendra bien sûr déjà quelques éléments nous permettant de nous rassurer, et puis peut-être le résultat qui ne sera pas défavorable en Bretagne. En tout cas, il va falloir jouer des coups de là-bas. Et ce match-là contre l'équipe de Michel Derzakarian nous rappelle que si l'histoire pouvait se répéter, on en serait bien ravis. Parce que notre dernier déplacement au stade Francis Leblay s'était soldé par une belle victoire 4-0. Mais c'était une autre époque, une autre saison, un autre temps. Nous verrons dans la réalité si nous allons nous rebeller, si nous allons réagir ou pas. Ce sera dimanche à 15h donc à Brest. On vivra ça ensemble.